Bonjour tout le monde, aujourd'hui un énorme joueur, un énorme créateur de contenu francophone, un Canadien pure souche, vous le connaissez sûrement, si vous ne le connaissez pas, foncez vite, vous abonnez, vous avez le lien en description, il fait des vidéos super qualitatives, actuellement à 5833 en ladder, je vous montre rapidement son profil, mais clairement on est sur du gros tryhard. Hein. Même dans une équipe CRL, dans laquelle il était analyste, il est créateur de contenu, je vous laisse voir un petit peu hein, les petits badges en super défi, des grosses performances en tournoi, plus de 550 000 cartes gagnées en SD, autant vous dire qu'il a torché le jeu. Bienvenue à toi, la Hypolux. Salut, salut Naxiva, puis salut à vous les abonnés, j'espère que ça va bien, et merci à toi de m'avoir invité sur la chaîne pour la première fois, première fois en vocal plutôt. Exactement, c'est vrai, parce que sinon on avait fait un duel des updates, c'était ça, hein, il me semble. Oui, c'est ça la première fois officielle, mais on n'avait pas le... On avait-tu le vocal? Je m'en rappelle même plus. À la toute fin, on a juste fait un tout petit peu de Ah, vocal à la c'est toute vrai. fin. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, j'ai ma vidéo pour moi toute seule, donc c'est la première fois, puis je suis content d'être ici. Exactement, mais ça me fait pareil, ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui, on va vous montrer un peu le deck qu'il a en profil. Donc évidemment, les sapeurs, que vous le savez, ils sont passés à 2 d'élixir. Donc du coup, je suis allé un petit peu contacter la Hypolux, parce que je me souviens avoir vu une vidéo où il avait roulé sur un super défi avec les sapeurs quand ils étaient à 3 d'élixir. Je me suis dit, ah, ça va être l'occasion. Et du coup, il est venu avec ce deck-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, en gros, c'est un deck sapeur, mais il y a aussi une grosse partie qui a la sorcière. La sorcière qui a été améliorée dans le dernier rééquilibrage, et sincèrement, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment forte. Comme un peu, je sais pas si vous avez regardé la vidéo de Clash with Ash qui a expliqué un peu pourquoi la sorcière a été améliorée. En gros, maintenant, dans les match-ups, elle a une fonction un peu plus précise et un peu moins polarisée qu'avant. Mais en gros, c'est ça. Je trouve que le deck est vraiment bien équilibré, que ce soit en offense ou en défense, grâce justement au pêcheur qui est encore très, très fort, l'Inferno Dragon, le Mega Knight, puis bien sûr, les sapeurs en attaque. Les sapeurs qui coûtent maintenant seulement 2 élixirs, donc ça fait un peu un effet de fût de gobelin. Tu l'envoies n'importe quand. Puis ton adversaire va être obligé à 100% de devoir le contrer, sinon c'est genre un moins 1200 de dégâts au niveau max, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment bien comme changement au niveau des sapeurs et aussi de la sorcière. Carrément, carrément, la sorcière est devenue vraiment forte, hein. Elle fait des dégâts de malade comme tu l'as dit. Du coup, tu nous as partagé 2 petits replays. On part sur le premier, tu nous expliques un peu pendant? Ouais, donc c'est bien l'archétype qu'on parle. Exactement, c'est ça. Yes, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu penses du match-up contre Arkix? Donc, ok, pour une fois, je suis content de dire que je suis. En fait, pour une fois, je peux dire que je suis content de rencontrer de l'Arkix quand je joue ce deck-ci. Parce que vous savez, le Mega Knight, il y a tellement, tellement, tellement de points de vie. Donc, le secret avec ce match-up-ci, c'est juste de garder le Mega Knight avant que votre adversaire joue l'Arkix. Comme ça, vous pouvez toujours le tanker, puis après ça, vous mettez la sorcière ou quoi que ce soit que vous avez pour pouvoir tuer l'Arkix. Puis ensuite de ça, vous avez une énorme contre-attaque et là, vous gagnez la game, tout simplement. Ah oui, parce qu'en Zapdate, hein, le deck préféré de Light Pollux, on va dire que le 2.9 c'est compliqué. Exactement. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis ça. Puis, comme vous pouvez voir en ce moment, j'essaie vraiment, ben là, à ce moment-ci de la game, je suis sûr à 100% que c'est de l'Arkix qui joue. Donc, je veux vraiment, vraiment pas jouer mon Mega Knight avant que lui joue son Arkix pour être sûr à 100%. Mais là, vu qu'il joue son Arkix au milieu en défense, je pense que je vais opter pour le jouer derrière, du même Ouais, pour côté, map 1. pour justement builder un énorme push. Parce que là, c'est comme s'il y avait un peu gaspillé 6 élixirs dans le vide. Puis, si en fait, plus tu builds un push derrière, plus la sorcière va pouvoir spawner beaucoup, beaucoup de squelettes. Puis, c'est ça, comme vous pouvez voir, ça va faire en sorte qu'il va sûrement devoir jouer sa bûche. Et voilà. Puis, là, je fais juste gratter un tout petit peu. Là, ici, j'aurais pu jouer mon sort de zap un tout petit peu avant pour justement que le mineur focus sur le. Que la tour focus sur le mineur avant le Mega Knight, mais bon, c'est pas grave, on a fait beaucoup, beaucoup de dégâts pareil, puis c'est ça l'important. Puis comme vous pouvez voir en ce moment, j'ai un petit avantage d'élixir, vraiment rien de trop grand, puis j'ai décidé de laisser taper les archères parce que je voulais pas justement perdre cet avantage d'élixir-là. Donc c'est pas mal ça pour l'instant. C'est énorme que t'aies réussi à mettre autant de dégâts en fois 1, je suis impressionné quoi. Mais c'est ça, je pense que c'est un peu son erreur en même temps, vu que en fait, il voulait un peu plus jouer safe. Donc, vraiment jouer défensivement avec l'Arkix. Mais
il s'y attendait pas, je pense. Il s'attendait pas à ce gros push que j'allais lui mettre. Puis là, justement, je fais juste gratter au mineur parce que c'est quand même un deck mineur grattage. Ici, quand on sait pas quoi faire, on met les Wall Breakers qui vont. Vous voyez ici, j'ai deux élixirs. Parce que maintenant, il coûte seulement deux élixirs. Puis lui, il a joué quatre élixirs. Encore une fois, à chaque fois qu'il pose son Arc-X, moi, je pose mon Mega Knight pour pouvoir le contrer. Puis je pense que là, je vais poser ma sorcière. Ouais, juste ici. Ouais, et puis une fois qu'elle prend la grosse sur l'Arc-X, elle le démonte. Ouais. Et voilà, exactement. Puis même là, on aura une belle petite contre-attaque. Mais je mets la pression des deux côtés, bien sûr. Avec les bats et tout ça, il est obligé de jouer une boule de feu. Oh là là. Mais, et aussi un esprit de glace. Vous pouvez voir, même là, on a un peu le choix des deux côtés. Le côté gauche a maintenant moins de points de vie que le côté droit. Donc, on a vraiment, vraiment le choix. Puis en ce moment, on a déjà fait beaucoup, beaucoup plus de dégâts. En fait, nous, nos tours sont quasiment full vie des deux côtés. Donc, on a un super avantage. Comme je vous dis, les gars, si vous aimez pas l'Arc-X, c'est vraiment un deck à considérer ou bien à essayer. Et comme vous pouvez le voir, Light Pollux, il met énormément de pression. Il laisse pas l'adversaire respirer. Il n'hésite pas à relancer des mineurs, des zaps, des sapeurs. Ce qui fait que de toute façon, une fois que les tours sont très basses, c'est dur en Arc-X de défendre parfaitement les mineurs. Parce que la seule solution que vous avez vraiment, ça va être Esprit de Glace Squelette. Sauf que ça se fait zap. Exact. Du coup, Exactement, puis là c'est juste une question de temps. Il sait déjà qu'il va mourir, il sait juste pas quand. Non, mais là on peut voir, regarde, t'as deux Infernal sur le terrain, t'as la sorcière, enfin tu laisses vraiment pas jouer quoi. Non, c'est ça. Puis encore une fois, même si on a un super bel avantage, c'est ultra important de vraiment pas jouer le Mega Knight n'importe quand, surtout pas derrière, parce qu'il suffit une seconde, puis lui il peut nous prendre la tour, mais encore une fois il met son Arc-X, moi je pose le Mega Knight, puis c'est ça, il dit good game, il sait déjà. Ouais. Il va essayer de finir la tour, et let's go, on réussit à prendre cette première win. énorme. Ouais, vraiment c'est ça le secret, hein. C'est la pression qu'il a réussi à mettre en permanence, le punish, hein, le push que Light Pollux a fait en fois 1 qui était très très bien construit, pareil avec l'appui sur le mineur, hein. Une fois que vous avez le méga chevalier, etc., n'hésitez pas à envoyer votre mineur. Le mineur, de ce que je peux en voir apparemment sur le deck, tu l'utilises un peu dans deux cas, c'est soit pour appuyer un push avec les sapeurs, ouais, c'est soit ça. Pour une fois que tu as ton gros push Mega Knight, pour aller gratter pendant que le Mega Knight tanque la tour. Exactement, c'est vraiment les deux situations que j'utilise. Puis des fois pour le collecteur d'élixir, si jamais ça joue encore. Mais en fait, j'ai rencontré seulement une fois jusqu'à maintenant. Donc, ouais. C'est aussi une possibilité avec le mineur. C'est vrai. On est parti sur le second replay contre du Bourreau Tornan. Yes, parfait, c'est parti. Bah alors, du coup, que penses-tu de ce match-up? Donc, à première vue, on pourrait penser que la sorcière se fait vraiment, vraiment contrer contre le bourreau. Parce que, ben en fait, ce deck-ci, tout court, se fait contrer par le bourreau et aussi le P.K. Mais c'est pas vraiment tant évident que ça, parce que maintenant que la manière que la sorcière spawn les squelettes, c'est un peu genre, pas aléatoire, mais comme... Je sais pas ce que je veux dire. Là, En tout cas, c'est plus large. Le bourreau, il n'arrive pas à la focus bien, ça part sur le côté, etc. Du coup... Il manque souvent les coups contre la sorcière. Donc, vu que c'est grâce à cette mécanique-là, eh bien, c'est un peu plus difficile pour le bourreau de tuer la sorcière. Puis maintenant, la sorcière fait beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup plus de dégâts qu'avant. Donc, si le bourreau n'a pas le temps vraiment de focusser sur elle, eh bien, elle est déjà focussée sur lui. Donc, c'est pour ça que ça devient un meilleur match-up qu'on pourrait le penser. Ouais, carrément. Et ici, on peut le voir, hein, également, tu utilises le pêcheur pour activer le cochon. C'est très important, hein, d'utiliser le pêcheur dans ces moments-là contre les decks avec du cochon. Absolument. Puis le pêcheur, même s'il a été nerf, comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos, c'est oui, ça a été nerf de 6% au dégâts, puis 5% en points de vie. Je sais pas si c'est le contraire. Qu'est-ce qui rend le pêcheur fort? C'est sa mécanique du grappin. Puis aussi son coup d'élixir de seulement 3 élixirs. Ouais, clairement. Donc c'est vraiment mon avis ici. Bah, de toute façon, pour moi, ça se voyait parce que les pêcheurs niveau 12 en ladder, on en croisé et c'est pas nul. Tu sais. Exact. Bah, absolument. Puis je pense que j'ai vu genre un gars avec un pêcheur niveau 12 la saison passée, puis il était vraiment, vraiment haut pareil. Donc ça veut vraiment rien dire, le petit nerf qu'il a reçu, là, le pêcheur. Ah, et là, du coup, tu renvoies les sapeurs, et s'il arrive pas à tuer les sapeurs à temps, la Tornade ne suffira pas forcément. C'était chaud. Non, exactement, mais là, vous remarquez qu'il a dû utiliser tellement, tellement d'élixirs pour pouvoir nous contrer, donc on se fait plaisir, puis on envoie le mineur. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai zappé la tour vraiment pour que la tour focus sur les mineurs, comme ça, l'Infernal Dragon peut vraiment faire son travail. Il a fait tellement mal.
Ça, mais ça, on connaît les mécaniques Zapbait, hein. C'est quoi? On voit les mécaniques Zapbait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis ouais, là, j'ai essayé juste de contrer ça avec le Mega Knight. Aucun problème avec ça. Puis c'est pas mal. Encore une fois, là, vu qu'on a eu notre gros push, le gros push qui a vraiment fait le plus de dégâts de la game, on fait juste défendre, puis gratter pour finir la tour. Mais c'est ça, c'est pas mal ça. C'est énorme. Et puis là, pareil, hein, tu repêches à gauche au cas où, hein, pour pas lui laisser construire, mais... Dans tous les cas, il est dans le mal ici. Hein. Parce que toi, tu peux redéfendre l'infernal. Puis regardez, la sorcière maintenant, quand elle est connectée sur la tour, elle fait tellement, tellement des dégâts. C'est tellement une mousquetaire, quoi. C'est sinon. Ouais, ça me fait vraiment penser à la mousquetaire. Hein, parce que pareil, pour contre les Arc-X, tu sais, tu les mets directement pour aller gratter l'Arc-X. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est littéralement ça. Une mousquetaire qui est un peu. Qui shoot de un peu moins loin, mais qui spawn genre 10 000 squelettes après genre une minute. Exactement. C'est hallucinant. La nouvelle sorcière vraiment très forte. En plus, t'as la chance d'avoir le deck en full maxi. Donc, c'est évidemment, ça permet également de bien pouvoir le tester en ladder. Tu es à l'heure actuelle en top 1000 ladder et on va partir sur un tout petit peu de live. Je vais jouer la sorcière. Je sais pas encore c'est quel deck qu'il a. Peut-être de l'Arc-X. Mais. Ouais, c'est du ballon aussi. Ah, sûrement du ballon du coup. Ah, ouais, c'est vrai, t'as raison. Là, je sais pas si. Ah, ok, le pêcheur qui va faire son travail. Avec MG, c'est souvent cimetière. Tu feras attention. Cimetière, ok, parfait. Ouais. Donc là, je sais pas vraiment quoi faire, donc on va juste y aller avec les sapeurs. C'est pas mal ça. Par contre, ils se font contrer quand même assez bien. Mais là, vu qu'il a joué quelque chose. Ah, ballon, t'as raison. What? Okay, t'avais raison. Là, malheureusement, je suis un peu dans le pétrin. Mais ouais. Après, il a plus la boule de neige, donc il pourra pas reset l'infernal. Donc nice. Ouais. Donc ça va, t'es toujours devant, les gars. T'as réussi à mettre plus cher, la MG elle va tomber sans mettre de coup sur ta tour non plus. Il va devoir défendre l'infernal. Oh, voilà. Oh, nice. Oh, waouh, ok. Ça c'était bien. Ok, on valide. Mais je pense que je vais quand même continuer d'atterrir à gauche. T'as 5 délicieux d'avance. Hein. Ok, parfait. Ouais, mais je vais quand même continuer à attaquer à gauche parce que je veux pas lui donner le contre-attaque. Tu comprends ce que... Ouais, super, ça, super. Parfait, hein, là ton mineur il va le gratter à fond. Il est à 2 d'élixir à l'instant. C'est bon. Mais là par contre, je vais vraiment garder toujours ma sorcière pour... Attends, j'aurais dû jouer mon Mega Knight en fait. J'aurais vraiment dû jouer mon Mega Knight, c'est pas grave. On va jouer. Ouais, parce que du coup il avait plus la mousquetaire pour le gérer, il aurait dû repartir en MG. Ouais, non, c'est ça. Alors, il a le ballon en main maintenant, il faudra faire gaffe à ça. Ouais, exactement. Je vais faire un gros risque, ok? Je sais pas si ça va nous... ça va être bénéfique, mais je vais prendre un risque, je joue la sorcière tout de suite. Lui, il a Golem de Glace, Fournaise. Ok, non, Barbare. Wow, okay. Ça va, hein, parce qu'il a raté son timing Barbare, hein. Il est en train de faire très très mal ici. Hein. Donc là... Okay, okay, il a plus Golem de Glace, bon, hein. Tu peux mettre les battes ici. Ok, je joue ça comme ça. Je vais vraiment jouer safe. Je sais pas si c'est une bonne idée de jouer autant safe que ça. Là pour l'instant en tout cas ça va, la boule de neige est tardive, il va te regretter quelques dégâts mais ça va. Good, fait que là, je pense que je vais juste gratter. Okay, on va jouer le Mega Knight ici, on va, genre pour un peu bloquer la tour. Lui il va vouloir partir en pêche-ballon à droite, hein, c'est sûr. Ouais, exact. Oh non, s'il vous plaît. Ok, t'as zap. Non, c'est de ma faute. J'aurais dû zap avant, mais dans ma tête, je me disais genre, ça va pas connecter, mais j'ai été trop là. Ah ouais, t'as gridé le zap. J'ai essayé. En fait, c'est vraiment dommage de ma part parce que j'aurais pu juste zapper puis pas prendre le coup de dégâts, mais je voulais être sûr que mon prochain mineur que j'envoyais pouvoir finir la tour avec le zap et tout ça, mais bon. C'est pas mon skin préféré. Ouais, le skin citrouille. Mais... Ouais, c'est ça, mais bon, c'est pas grave, là. Je suis sûr qu'il y a d'autres mondes qui aiment ça, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Puis ici, il y a ce placement-là qui est quand même vraiment cool. Ouais, donc, je viens de le découvrir. C'est quoi? Non, je viens de le découvrir, elle est vraiment chouette, hein, ce placement de sorcière. Ouais, c'est ça. Puis en fait, là, je vais y aller quand même assez agressif parce que le Mega Knight qui est super bon contre... contre ça ici. Ça on n'aime pas trop par contre. Le Valkyrie là.
Ok, mais c'est quoi son deck? Donc pour l'instant, on a vu voleuse, chevalier, sorcière, sorcière de la nuit, valkyrie, cochon. Ok. Donc là, vous le savez déjà, on va y aller avec un petit pêcheur. Pêcheur, évidemment, petite activation. Voilà. Donc, ça va être du cochon, mais double sorcière, ça c'est vraiment, vraiment bizarre. Ah ouais, là, on est sur du deck maison. Hein. Mais ouais, c'est ça, c'est ça. Puis là, on a vu qu'il y avait une valkyrie qui a déjà joué, donc on va essayer de. On va s'essayer avec le. Ouais. Avec ça ici. Ok, chevalier, suffira pas. Plus de flèches. Oh, ok. Waouh, ok, c'est bon, c'est parfait. Est-ce que. Ok, c'est bon, les squelettes qui vont sortir ici. Il lui reste une carte qu'on sait pas ce que c'est. Peut-être un gros sort, je sais pas. On va attendre. Bah là, jusque-là, on peut pas deviner, je pense. Hein. Mais je pense que je vais mettre les bats tout de suite parce qu'il y a joué ses flèches. Donc, ouais, oh, ouais, puis ouais. La sorcière qui est connectée, ça va pas faire. En plus. Oh là là, les dégâts que tu mets. Nickel. Oh waouh. Man, la sorcière, je te dis là, la sorcière, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Genre, j'ai vraiment sous-estimé l'amélioration quand j'ai vu tout ça. Mmh. Ah ouais, non, elle est vraiment très très forte. Hein. À gauche, parfait, t'as le Mega Knight. Lui, il a que 3 d'élixir à l'instant, mais il arrive en fouet. Oh waouh. Super, super. Donc, t'as un méga chevalier d'avance en élixir. Oh là là, elle s'est peur! Qui connecte un coup, qui met en plus sa PLS à la voleuse. Oh, mais cette partie. Alright, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ok, on va essayer de ne pas faire la même chose que tout à l'heure. Oh bah là, je pense que t'es bien. Hein. Franchement, 35 ouais. secondes. Et sachant qu'il pourra pas vraiment bien bloquer ton mineur non plus. Et pareil, là, il met la voleuse trop tard. Hein. Ouais, non, voilà. C'est ça. Là, c'est réglé. De ce côté-là, c'est bon. Puis, je vais pouvoir mettre le Mega Knight sur les. Oh, what? Rage. Il y avait un sort de rage, waouh. Ah ouais. Ok, donc c'est un. Mais de toute façon, t'as le Mega Knight, hein, tu risques rien. Non, je vais appliquer ça, c'est trop. Quoique. Non, il y a 11 secondes, je pense pas qu'il puisse faire quelque chose, mais. Pourquoi il joue pas le cochon en fait? c'est juste parmi les choses. Il me semble que s'il avait joué le cochon, il m'aurait vraiment. Peut-être. Ah, ouais, sous rage, il aurait peut-être pu faire un truc, effectivement. Non, c'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est une bonne game, GG. En tout cas, on pouvait pas s'attendre à son deck, hein. Lui, il est venu avec un deck maison. Fait qu'en ce moment, j'ai mineur, chauve-souris, zap, puis aussi le dragon de l'enfer. Puis encore une fois, on voit la sorcière. Très très joué, hein. Très très joué. Très 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 joué en effet. Mais ouais, là je joue la Mega Knight, mais s'il joue un. Oh wow, c'est ça. Oh. Je sais pas qui. Attends. C'est bien joué ça. Par contre, il a sauté sur le squelette. Ça fait juste. Oh what? Ah ok. Non, c'est. Attends, on va essayer de faire quelque chose de cool. Non, ça marche pas, merde! Oh non, ça marche pas! Bon, ça, t'as mis cher à gauche quand même. Ah oh ouais, c'est vrai, t'as raison. Ok, c'est good, c'est good. Le sorcier. Mais je l'avoue qu'on n'avait pas la meilleure des mains de départ pour ce qu'il nous a mis. Ouais, clairement. Mais je sais pas. Il a un délicieux de plus que toi, donc faudra faire gaffe quand même. Ok. Oh wow, okay. What? Oh non. Ouais, pas, oh non, par contre ça fait mal. C'est ça pour la tour. Hein. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ok, on va essayer de faire un push. Ok, boule de feu. Oh. Ah, c'est fort aussi. Là-dessus. J'aurais dû les jouer de l'autre côté en fait. C'est ça que j'aurais dit. C'est vrai. J'avais pensé, mais je me suis dit que les boules de feu de nos jours, c'est un peu moins populaire. Ouais, c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins des boules de feu. Mm-hmm. En tout cas, du coup, vous avez autant d'élixirs pour l'instant. Toi, il faudra deux sapeurs hein, pour aller finir à gauche. Un peu plus d'ailleurs. Ouais. Okay. Là, c'est bon. Il y a la tornade, c'est bon. Mais c'est. C'est son giant skeleton qui m'énerve un peu. Ouais. Après là tu peux faire un bon méga chevalier je pense. Ah ouais, là c'est bon, parfait. Ouais. Il met pas son giant skeleton donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que là il va le mettre en défense j'imagine. Ouais, ouais c'est ça, mais j'essaie de l'attirer avec le pêcheur. Allez pêcheur, allez, pêcheur. Ton travail. C'est ça. Allez, parfait, c'est ça. Ah t'es. Ah bon. Ah c'est, sorcier, c'est ok. Donc il joue juste aussi, ok on le saura. Ah non, oh non, non, j'aurais pas dû. Ah c'est vrai, il y a un fût de gobelin, j'avais complètement oublié. Allez, c'est pas grave, la sorcière elle défend un temps. Par contre, il va falloir prendre à gauche, c'est ça qui est compliqué. Hein. Après, tu peux outcycle la bûche parce que lui ça va mettre du temps. Ok, c'est bon, c'est bon. J'essaie de faire quelque chose de. Attends. Ok, nice. Oh non, le oh non, les squelettes! Oh, de la sorcière qui sont venues là! Pas grave, les gars. Allez, à gauche.
Oh oui, let's go, parfait, parfait. Oh là là, mais quel joueur! Nice, ok, let's go, on est back, on est parti la game là, c'est parti, let's go! On suit le sorcier là, on en veut pas de ça. Ok, elle fait gauche, elle fait gauche. Non, elle fait gauche, elle fait gauche! Meurs cochon! Non! Ah, putain! Le cochon, oh non, j'aurais. Oh, le pêcheur qui a été mal placé par contre. Oh mon dieu, c'était. Ouais, mais c'était dur. En même temps, c'est vrai que c'est pas évident de défendre ces cochons purs. C'est bon, on est contre Fabiano. Là, j'ai. Ok, là, j'ai le Mega Knight, Chauve-souris, puis Sorcière avec Inferno Dragon, encore une fois, dans ma main de départ. Okay. Je l'ai toujours, cette carte-là. La base. Pourtant, c'est pas forcément okay. La carte que t'as envie d'avoir en début. Pardon? C'est pas forcément la meilleure carte à avoir en début de partie. Hein. Non, pas trop, pas trop. Alors, à gauche, ouais, ok, un tête barbare. Maintenant, la nouvelle sorcière, elle galère un peu plus, mais. Ouais, mais je me dis que les squelettes devraient aider un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ouais, j'aurais dû la jouer un peu plus haut. Donc, c'est, ça va. Ça va. J'aurais ça va. Oh, vous êtes. En fait. Alors, on dit, elle va se faire connecter le zapi. Hein. Ah non. Ouais, c'est parfait. Ça me va, ça me va. Ça fait de bons dégâts. Ok, toi, tu joues zap, hein, pour rappel. Ouais. Je vais peut-être. Attends. Je vais peut-être devoir jouer ça. J'aurais préféré. Ah, oh, what? What? Je ne savais pas non plus, hein, j'étais pas prêt. Hein. Oh non, oh non, 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 pêcheur! Oh, le pêcheur! Mais comme il abuse! mais non! Oh, non! Mais t'as pas le droit, pêcheur! Okay, c'est pas grave, c'est pas grave. On sait qu'est-ce qu'il joue. Je vais garder le. Attends, c'est que là, c'est un attends, peu. Il comme... joue rage, hein, pour rappel. Hein. C'est vrai, puis il joue comme un bait Mega Knight, je sais pas, genre. Mais ouais, comme. C'est bizarre. Je dois jouer mes Mega Knights sur. C'est fripon. C'est barbare. Ouais. À la limite, son zappy. C'est ça. Sa sorcière aussi. Ouais, mais je pense qu'il faut que t'attendes les barbares pour poser le méga chevalier ici. Ah bah voilà. Bon, en vrai, je sais pas s'il faut le mettre à gauche, mais. Ok. Si, donc, ça me paraît pas mal. Je suis obligé de jouer le Mega Knight. Ça va faire un. J'ai plus. Oh mon dieu. Bah, lui, il va te faire cher, mais il a plus d'élixir non plus pour défendre. Attends, moi non plus, j'ai plus d'élixir en fait. T'as la sorcière qui a. Ah oui, bien. Je vais jouer. Je sais pas si t'as le temps. Ah, c'est dommage, si je veux rien. Ah, c'est pas grave, le petit squelette qui va m'aider là. J'essaie juste de prendre les deux tours, ou genre, faire le plus de dégâts sur les deux tours possible. Ouais, ouais, là il va devoir remettre les fripons. Ok. Ok, il a récupéré ses barbares. Ouf, oh, what? Oh, wow! T'es là, pas le temps lui. Hein. Ah, les fripons, oh, c'est bon, on est tiré à la tanker. On va y aller le tout pour le tout. Il va barbare du coup, autour. Oh, il a raté, c'est bon. Oh, nice, nice, nice. En plus, il y a zap. Donc, ça va nous donner une petite chance ici de reprendre la game. Oh, les. Non! Oh, les setters, ils ont fait tellement mal. Let's go, parfait, c'est parfait ça. Mais let's go! On aime ça, on aime ça. Oui, mais c'est ça qu'on veut. Oh, oui, la sorcière qui va réussir à. Pêcheur. Oh, non. Oh, ça suffira pas. Mais c'est pas grave, parce que ta sorcière, elle est en train d'aller faire le 3 couronnes là pour l'instant. Ok, let's go, let's go. Oh, c'est les sapeurs. Ok, nickel. C'est bon. T'as une armée à droite. Hein. Bon, il a récupéré ses barbares. Ok, il a plus ici. Hein. Il a deux d'élex. Deux d'élexir. Parfait. Ouais. Il récupère son nom maintenant. Okay. Oh, what? Ok, j'espère qu'il va pas faire un gros... Attends. Inside show, les gars. Est-ce qu'on y va pour une base race ou une... Avec les sapeurs mineurs, ça se tente. Ah, oh, le ballon, il va aller plus vite. Ah, sérieux? Oh, bordel. Oh non, t'es pas sérieux. Ah, c'est tellement chaud. Aïe, 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 ça fait mal, man. Énorme. Sorcière, Mega Knight, Chauve-souris, puis aussi mineur. Ah, c'est pas mal ça, hein, parce que du coup tu peux engager en mineur, voilà, tranquillement. Bûcheron. Ouais, non, c'est ça. C'est peut-être géant royal, peut-être ballon. Ouais, peut-être golem. Ouais, c'est vrai, peut-être golem aussi. C'est un peu revenu parce que les gens ils jouent les sorcières et les sorcières de la nuit dedans. Ouais, c'est vrai. Encore une sorcière. Okay, c'est ouais, bon. Ça peut toujours être ballon, golem, etc. On sait pas trop. Je pense que je vais y aller quand même agressif ici. Des fois ça marche. On sait jamais. En fait, chat à canon, ok. Ouais, c'est bon, c'est parfait. En fait, ce que je voulais, c'est juste de tuer la sorcière parce que. Mm.
On sait tout qu'elle peut faire de bons dégâts. Carrément. Vous avez à peu près autant d'élixir, donc va falloir être pas trop cher, mais parfait. J'aurais peut-être pu jouer mon sort de Zap. En fait, j'y pensais, mais j'étais pas sûr à 100%, donc je préférais ne pas faire Ouais. ça. Et là, je joue les Wallbreakers pour pouvoir cycler à mes chauves-souris. Super, il a rien en plus, hein. Il peut pas défendre déjà. Yo, Ok, tornade? parfait. Ouais, ça coûte cher. Parfait. Là, on va découvrir s'il y a un sort de Zap ou bien une boule de neige, quoi que ce soit. Ou Je pense justement un. pas, je pense que c'est juste un gros sort, hein, parce que là il a déjà Tornade et Fuite Barbare. Oh, nice! Ouais, Voilà, il a donc on pas de vient. réponse là-dessus. Il joue Golem, Bon, hein, voilà. sûrement. Je pense que c'est Golem et Poison les dernières cartes. Ok, parfait, parfait, parfait. Eh bien, si c'est. En fait, moi aussi, je pense que c'est Golem, fac. On va se permettre de faire un push ici. Il va sûrement jouer justement son Cannon Card. Ok, super. Voilà, mais je veux juste tuer la. Juste tuer la Negashui, sorcière, il en s'est fait. arrêté sur les petits squelettes là. Allez! Oh non! Aïe. Donc là, ça va être compliqué parce que on Ouais, va devoir. t'as pas de solution là-dessus. Ça va en vrai, hein. Oh nice, wow, ok, super. J'ai été Donc. un peu chanceux, mais c'est pas grave. Ok, Golem qui est posé. On va essayer d'y aller de l'autre côté, mais attends. Soit il C'est fuit que je voulais barbare, pas jouer soit la il ignore. princesse. C'est quoi? Non, je disais soit il met un fuit barbare, soit il ignore, mais du coup il a cliqué Tornade, ce qui est pas mal pour toi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est super. C'est du coup, ouais, il peut pas. Ah, il joue électro, ok. Oh, Mais il y a les squelettes, hein, il y a les waouh, ok. squelettes. Oh, parfait, très très bien joué, hein, le réflexe sur les bêtes. Ok, donc il n'y a pas de gros sort en fait, je pense pas. Je pense que c'est juste. Yes, voilà, une petite activation du tour du roi. Non, non, il n'y a pas de gros sort, hein, c'est sûr. Ouais. Ah, oh, super propre ta défense. C'était vraiment mieux que je le pensais en fait. Ouais, franchement, c'était super. On va essayer d'y aller comme ça, il va sûrement jouer la tornade. Oh nice, Oh super. là Bien là, joué, il peut Golem en rien plus. faire là. Oh, let's go! L'internet suffira pas à les tuer. Hein. Oh Oh, tu vas nice, faire il a joué les tellement bats. mal. Oh là 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 là. Boum, boum. Et oui, il est obligé de mettre un bédragon dragon là-dessus. Ouais. Donc là, il faut faire attention à son. Attends, on va mettre la pression directement Ouais, là. c'est limite si je peux partir hein, les. Ouais, c'est un épisode de mineur aussi. Et sinon, on peut mettre le Fisherman. Ah, il a bien joué. Ah. Ah non! Une chance qu'il n'y ait pas de gros sort, hein. Non, 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 non. Non, 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 tu connectes pas, toi! Ouais, c'est bon. Ouf. Ok, c'est bon. Ok. Ouf. Si tu Il a joué. mineures Wallbreaker, il a pas grand chose pour gérer. Ok, ouais, c'est bon, ça que je vais faire. Ah, oh, nickel. Please up! Allez! Oui! Ok, let's go! Ouf! Elle était tellement chaude cette partie! Oh wow, ok, c'est bon, Énorme. ça Waouh. Mais c'est ce pêche hein, que t'as mis avec le pêcheur, les sapeurs et tout, là, c'était énorme. Ah ouais, en même temps qu'il pose son golem, c'est vraiment ça qui a été destructeur. Carrément, c'était vraiment le play à faire. Hein. Et puis on peut voir, il galérait, il mettait Tornade, mais du coup ça a pas suffi, il a perdu l'ex, du coup il avait pas offensivement. Parce que lui, dans son deck contre le tien, il est, enfin pour moi, un peu obligé d'utiliser Tornade offensivement, tu sais, avec son Bédragon, son Electro, son Golem. S'il l'utilise défensivement comme ça, du coup il est pas bien derrière sur ses pêches. Hein. Non, c'est ça. Puis en fait, je pense qu'il y a un point que j'ai bien fait, c'est une des défenses qui semblait être vraiment, vraiment destructeur. Mais comme j'ai réussi avec cette défense-là de défendre puis avoir une certaine contre-attaque puis un avantage d'élixir après cet échange-là. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai gagné. Sinon, à première vue, tu sais, il y aurait. En même temps, tu sais, il y a quand même le Baby Dragon, l'Électro Dragon, la sorcière qui aurait pu vraiment me overwhelm dans un gros push golem. Mais c'est ça. Au moins, Carrément. j'ai pris la tour quand il fallait, puis c'est vraiment ça qui m'a fait gagner la Mais t'as eu game. un de ces réflexes aussi sur les chauves-souris sur l'électro-dragon quand t'as vu genre qu'il y avait électro-dragon et que t'avais peur qu'il reset l'infernal. Ouais, mais je pense que c'est ça qui m'a sauvé, en fait. C'était en mode ah non non tu connectais pas hein, tu touches pas l'infernal. Exact, exact. Énorme. Bah merci beaucoup à toi en tout cas Lightpollux pour ton partage de deck, pour ton gameplay. Pour information, hein, c'est un YouTuber, donc il a sa chaîne juste en bas en description. Je vous invite à aller checker, à aller vous abonner, etc. Il propose du contenu de qualité plusieurs fois par semaine. Merci beaucoup à toi, Lightpollux, bah, de ton partage, de ta bonne humeur, etc. J'ai passé un bon moment. J'espère que vous avez passé également un bon moment. Et bah, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et je laisse un petit mot de la fin à Lightpollux. Yes, ben un gros merci Naxiva de m'avoir invité sur la chaîne, puis j'espère vraiment que toi et tes abonnés ont apprécié la vidéo, bien sûr. Puis c'est ça, c'était un grand plaisir, puis un gros merci à toi aussi.